Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Sur Batiradio. Bonjour à tous, bienvenue sur Batiradio, on est ravis de vous retrouver pour ces rendez-vous du Mondial du Bâtiment et c'est le moment du grand débat sur le hors-site, comment le hors-site peut répondre à la crise du logement, on verra aussi qu'est-ce que le hors-site tout simplement, son évolution en France depuis ces dernières années et pour ce faire, j'ai trois invités en plateau avec moi. David Rozenberg, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous, vous êtes le directeur du développement de GA Promotion. Pascal Chazal, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du groupe hors-site. Et Pierre Paulot, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller auprès de la direction générale d'Immobilière 3F. Alors on va peut-être commencer avec vous Pascal, qu'est-ce que le hors-site ? Ah, vaste question, hein. Ça c'est une vaste question. C'est pas forcément facile de répondre à ça. On dit souvent la construction hors site, en fait, c'est l'idée de déplacer des heures de travail du chantier vers un atelier, vers une usine. Pourquoi on cherche à faire ça? Parce que sur le chantier, on sait que c'est un environnement difficile. Les ouvriers sur le chantier, ils ont une faible efficacité. C'est pas de leur faute, c'est que le chantier c'est un endroit compliqué. Et dans une usine, on peut avoir une organisation qui est bien meilleure. Donc c'est finalement, cette idée, je déplace des heures et je vais fabriquer en usine des éléments que je vais ensuite livrer sur le chantier, assembler. Ça va me permettre de gagner du temps, de gagner de la qualité. Et j'ai une définition assez récente que j'aime assez. Le hors-site, c'est le mariage de monsieur bâtiment avec madame industrie. Et ils ont fait un bébé et c'est le hors-site. Et j'aime bien cette image parce qu'il faut vraiment comprendre ça dans la construction hors-site. C'est vraiment amener les technologies, les méthodes de l'industrie dans le monde du bâtiment. Sur le chantier, c'est extrêmement difficile. On essaie de le faire avec le lean chantier, par exemple, etc. C'est très difficile. Mais par contre, dans des usines, on sait vraiment déployer tous les outils de l'industrie. Et c'est finalement mettre au service du bâtiment ces outils de l'industrie. Et le hors-site, finalement, c'est essayer de réussir ce pari-là. Mmh. Alors David, est-ce que vous confirmez cette version du hors-site? Oui, complètement. Aujourd'hui, le hors-site permet d'avoir un aspect plus... Enfin, on change vraiment de braquet, on change de prisme. On passe de l'aspect bâtiment classique, construction traditionnelle, à une vision industrielle, avec tout ce que ça comprend comme technologie, comme innovation. Et le fait de pouvoir construire en usine, tout ce qui sort d'usine est certifié qualité usine. Donc, on gagne beaucoup de temps aussi pour répondre aux problématiques de retard, de livraison de chantier, de réserve, etc. Donc on améliore la qualité de fabrication, on améliore le délai. Sur le chantier, on réduit fortement les nuisances pour le chantier. C'est important, je pense que ça participe aussi à l'acceptabilité de l'acte de construire, aussi bien pour les riverains que pour les élus, avoir des chantiers plus propres, qui peuvent mieux fonctionner dans des environnements urbains contraints. Il y a beaucoup de cases qui sont cochées compte tenu des contraintes aujourd'hui sur l'aspect construction immobilière qu'apporte le hors-site actuellement. Pierre Paulot, alors vous qui êtes donc conseiller auprès de la direction générale Immobilière 3F, pourquoi ça intéresse les bailleurs sociaux, le hors-site ? Alors, le hors-site, ça intéresse. Alors, je ne sais pas si ça intéresse tous les bailleurs sociaux. Ça intéresse en tout cas Immobilière 3F. Immobilière 3F. Et un certain nombre de bailleurs sociaux qui se sont maintenant engagés effectivement sur le hors-site. On reviendra peut-être sur l'association qu'on a mis en place. Ça intéresse les bailleurs sociaux parce qu'on fait le constat que nos chantiers, depuis un certain nombre d'années, n'ont pas beaucoup évolué dans leur technicité. On fait le constat que les chantiers coûtent de plus en plus cher. On fait le constat qu'à la livraison, on a un nombre de réserves incroyables, comme un temps fou à lever. Donc on fait un constat de non-qualité. On fait le constat aussi que les entreprises ont du mal à recruter, donc parce que c'est des métiers qui peuvent être assez ingrats dans certaines conditions de travail. Et justement, le hors-site, c'est une façon aussi de répondre à ce sujet-là. Et puis, donc c'est la rationalisation, je dirais, de la façon de construire, plus généralement, mais comme l'a très bien décrite Pascal. Pour les bailleurs sociaux, c'est aussi une façon de répondre à la RE 2020, qui est très exigeante en termes d'objectifs, notamment sur ces seuils 2028 et 2031, qui va nous obliger à sensiblement décarboner nos constructions, et donc qui s'inscrit elle-même dans la stratégie nationale bas carbone qui, en 2050, nous oblige. Et donc, finalement, ça vient croiser à la fois ces exigences environnementales, mais également cette rationalisation qui me semble nécessaire quand on voit que, depuis 50 ans, globalement, on construit de la même façon. Hum. Alors, Pascal, vous êtes un des pionniers du hors-site, hein, vous l'avez, on peut dire, ramené en France. Ça vient d'où, en fait, le hors-site ? Quels sont les pays qui sont plus en avance sur nous? Ça vient des pays anglo-saxons sous le terme de off-site building. Mm-hmm. Et c'est un mouvement qui a démarré, je dirais, il y a une douzaine d'années maintenant dans les pays anglo-saxons, Amérique du Nord, mais aussi beaucoup Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni qui est peut-être le plus en avance aujourd'hui sur ce schéma-là. Et moi, j'ai découvert, je crois, en 2015, ce mouvement du off-site building, et notamment à Londres, où il y avait un salon du off-site building. Je me suis rendu dans ce salon et j'ai découvert en fait une centaine d'exposants. Et je m'attendais à voir des fabricants, peut-être de salles de bain, peut-être d'ossature turbo ou de modules. Et en fait, j'ai trouvé tout un écosystème. Il y avait des écoles, il y avait des cabinets de recrutement, il y avait des magazines. Donc, tout un écosystème, finalement, autour de la construction hors-site. Et moi, j'ai pratiqué la construction hors-site puisque j'ai créé l'entreprise Ossabois que j'ai développée pendant 30 ans. Donc, j'ai fait du hors-site sans le savoir pendant 30 ans. Et je me rendais compte que j'étais un industriel, mais perdu dans un environnement bâtiment. Ouais. Et que mes clients, finalement, comprenaient pas cette logique industrielle. Et là, en voyant cet écosystème, je me suis dit qu'il fallait absolument amener cet écosystème en France, sans quoi on resterait toujours avec un monde bâtiment et puis des industriels qui essaient d'apporter des solutions mais qui ne sont pas compris. Et donc, j'ai amené cette idée-là, et donc j'ai commencé par le magazine hors-site, donc qu'on a édité à partir de 2017, et puis ensuite le campus hors-site, qui est donc l'école de la construction hors-site, et puis voilà, ça a été le début de cette aventure en France, et aujourd'hui, je me félicite de voir beaucoup d'acteurs parler de construction hors-site, dont Pierre est un fervent défenseur aujourd'hui, par exemple. Alors la main-d'œuvre, on en parlera dans quelques instants. C'est intéressant ce que vous soulevez, parce que c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup de la désindustrialisation de la France, hein, oui. Depuis les années 70-80, enfin, oui. Ça s'est amplifié. Là, c'est un souhait du gouvernement, hein, de réindustrialiser, oui, la France, d'Emmanuel Macron, de Bercy aussi. Et alors, on est aussi en pleine crise de l'immobilier, en pleine crise, bon, vous allez nous le confirmer, hein, de la construction, en pleine crise de la promotion, du logement. Donc là, ce serait un peu une solution pour régler un peu tous ces problèmes-là, finalement. Oui. Alors en fait, vous venez de le dire, on est dans une des crises les plus incroyables du monde de l'immobilier et de la construction. Hein. En ce moment, ça va très très mal. Et quelque part, on est en train de se rendre compte que le système que l'on utilise depuis presque toujours, qui est un système centré sur le chantier et à la base quand même de béton coulé sur le chantier, parce que c'est la logique dans laquelle on est tous, et bien ce système est un peu en train d'arriver au bout, et notamment parce que les bâtiments sont extrêmement complexes pour répondre à tout un tas de normes, bien sûr. Oui, parce que c'est un millefeuille. C'est un millefeuille, il y a énormément de normes. Vous disiez, hein, et un bâtiment, c'est devenu d'une complexité incroyable, et la main-d'œuvre sur le chantier aujourd'hui est de moins en moins qualifié. On a un vrai problème de main-d'œuvre. D'ailleurs, il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, une étude qui a été faite par l'ADEME et par le CSTB, qui fait un état de l'emploi qui est catastrophique. Ouais. On n'arrive pas à recruter. Oui, FFB le dit d'ailleurs, hein, la Fédération française du bâtiment le dit aussi. Et notamment dans cette étude, ils nous disent, avec les besoins en rénovation, il faudrait doubler le nombre d'ouvriers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, doubler le nombre d'ouvriers. On n'arrive déjà pas à avoir les ouvriers qu'il nous faudrait aujourd'hui, et encore faudrait-il doubler. Eh bien, le hors-site, c'est finalement une des solutions à ça, parce que dans une usine, on est capable de produire des éléments pour le bâtiment, comme par exemple des façades à ossature bois, comme par exemple des salles de bain, peut-être des modules de chambres d'étudiants, de logements, avec des gens qui ne sont pas forcément formés au bâtiment. Parce que dans une usine, on va pouvoir mettre en place une organisation, des processus, de la formation, pour que quelqu'un de non formé au bâtiment soit capable de faire des travaux de bâtiment. Donc de l'assemblage, en fait. Oui, mais on peut même faire apprendre à quelqu'un à faire du carrelage. On va pas pouvoir lui demander de faire du carrelage dans une salle de bain sur un chantier, mais par contre, carreler un panneau sur une table, avec un gabarit, avec la bonne colle, à la bonne température, etc., eh ben, il va y arriver. Et ça va plus vite et... Ça va plus vite, c'est plus efficace, la qualité est meilleure et c'est surtout possible avec quelqu'un qui n'est pas formé. Donc ça peut au contraire donner un ballon d'oxygène formidable aux gens de bâtiment, quelque part fabriqué en usine, ça va libérer des heures des ouvriers de chantier dont on a absolument besoin pour un certain nombre de tâches, notamment pour la rénovation. Oui, la rénovation énergétique, grand chantier aussi. Tout à fait. Et du coup, on bascule des emplois dans des usines et donc on est dans la réindustrialisation. Alors je sais que Pierre me reprend souvent quand je parle de ça. L'industrie, il ne faut pas forcément le voir, des giga-usines à la Tesla. Ça peut être des petites équipes. On a notamment des entreprises de menuiserie, de charpente qui se mettent à fabriquer des choses dans leur atelier avec ce schéma-là. Donc c'est aussi des petites unités aussi, hein. Et dans toute la France. Et donc l'association d'ailleurs, elle porte ce schéma-là qui est de dire du hors-site oui, mais pas en provenance de Chine. Donc si on ne veut pas que ça vienne d'ailleurs, ben, il faut que nous, on développe nos outils chez nous en France. Alors David, justement, parlez-nous de ce local. C'est possible donc de faire du hors-site français? Oui, complètement. Et c'est même vraiment souhaitable de faire du hors-site français. Pourquoi? Parce que Pascal l'a indiqué, c'est aussi un enjeu de réindustrialisation de la France, un enjeu de montée en compétence aussi des salariés. L'expérience, on a dans le groupe Ossabois qui a été fondée par Pascal, qui était une ancienne usine SEB, dans laquelle il y a eu des passerelles de compétences, des personnes qui travaillaient sur des produits SEB sont amenées à travailler sur des produits bois. Donc il y a vraiment des enjeux de formation et le local, c'est très important de pouvoir avoir le site de production dans un périmètre raisonnable du chantier lui-même. Et je dis ça parce qu'on voit certaines productions de sites de blocs modulaires qui peuvent se faire en Europe de l'Est, mais du coup vous avez un acheminement par camion qui dégrade fortement le bilan carbone. Et nous chez GA, on est très attentifs au bilan carbone sur toutes les phases du chantier. Je donne un exemple, on a notamment une usine qui est en Normandie de béton et de béton bas carbone. Sur un chantier qu'on a travaillé à Gennevilliers, on a acheminé les éléments béton par voie d'eau sur l'axe Seine jusqu'aux portes de Gennevilliers et transbordé à quelques rues sur le chantier. Donc dans la phase conception, dans la phase transport de marchandises, dans la phase réalisation, on est attentif à toutes les étapes qui peuvent permettre de décarboner le bilan global de l'opération. Alors justement, parlez-nous de GA Promotion, du groupe aussi. Alors le groupe, oui, alors on fêtera nos 150 ans l'année prochaine. C'est une entreprise familiale au départ, hein, de famille, Guy Rodi Aufèvre, fondée en 1875, plutôt une entreprise de BTP au départ, et puis qui a beaucoup travaillé sur les travaux d'infrastructure après la Première Guerre mondiale. Le siège est à Toulouse. Et à partir des années 60, l'entreprise a commencé à prendre le virage de ce qu'on appelle aujourd'hui le hors-site, mais en fait d'avoir ses premières usines de production d'éléments de béton. Donc aujourd'hui on parle de béton et de béton bas carbone, donc on a 3 usines béton à Toulouse, en Normandie et à Colmar, ce qui nous permet de rayonner et d'avoir ce fameux périmètre France, que j'évoquais, périmètre raisonnable et pas de faire 1000 km aller, 1000 km retour avec un camion à vide. 3 usines bois, donc d'Ossabois, près des forêts, parce que l'idée c'est d'avoir ce fameux circuit court, donc près des Vosges et entre Lyon et Saint-Étienne, près du Massif central. Et puis une usine de modules de traitement d'air. On est très attentif aussi au traitement de l'air qu'on décline d'ailleurs aujourd'hui aussi dans notre stratégie d'innovation sur les logements, puisqu'on est en train d'avoir un financement de l'ADEME pour adapter sur une façade ossature bois, une façade respirante sur un projet concret, hein, qu'on développe notamment sur la Défense, entre autres, sur Courbevoie, et une usine de menuiserie, façade, garde-corps, serrurerie, qui est également en Normandie. Donc qui nous permet d'avoir un outil industriel global réparti sur tout le territoire. Alors on travaille sur toute la France, mais on ne travaille que en France. Parce que si on nous demandait d'aller sur un chantier ailleurs en Europe, bah, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir un site de production à proximité du chantier. Pour nous, c'est pas entendable, ça va pas dans la stratégie de se dire on va créer de l'emploi local, on va créer des circuits courts, on va créer une filière et une réindustrialisation et une formation. C'est un tout qui se tient dans un ensemble vraiment cohérent. Alors justement, côté Immobilière 3F, vous êtes sensible à ça, à la décarbonation du bâti. Justement, quel est le positionnement d'Immobilière 3F à ce sujet ? Le Immobilière 3F s'inscrit dans le positionnement, je dirais, de tous les bailleurs, hein, qui sont incités, comme je disais tout à l'heure, à rentrer dans cette stratégie nationale bas carbone en atteignant à travers les RE les seuils dont je vous parlais. Donc le hors-site, effectivement, une très bonne réponse à ce sujet-là. Je voudrais préciser aussi une chose qui n'a peut-être pas été dite là, sur le hors-site, c'est que c'est tout matériau. C'est-à-dire que le hors-site, c'est pas forcément que le bois. On va construire toute la France en bois. C'est pas que le béton, c'est pas que le métal. Mais en fait, c'est le bon matériau, effectivement, pour le bon usage, au bon endroit, dans la bonne quantité, effectivement, nécessaire pour construire un bâtiment qui soit pertinent sur le plan de la décarbonation, notamment. Donc, et ça varie en fonction de la localité, ça varie en fonction du bâtiment. Ça varie. Alors, 3F est un bailleur national, hein. On interagit sur tout le territoire, et donc effectivement on interagit avec des écosystèmes qui ne sont pas tous les mêmes, puisque dans certains territoires on va privilégier peut-être le bois, dans d'autres territoires on va privilégier les matériaux biosourcés ou géosourcés, on va construire en pierre dans la région parisienne parce qu'on a des carrières de pierre par exemple. Donc ça dépend du local aussi, des ressources locales. Absolument, ça dépend des ressources locales. Moi je donne souvent l'image, c'est qu'on a des centrales à béton un petit peu partout en France avec un maillage très serré qui permet finalement de construire toujours à moins de 70-80 km d'une centrale à béton. En fait, il faut qu'on reconstitue des écosystèmes locaux qui soient... Il y aura des centrales à béton, mais il y aura aussi des fournisseurs de bois, il y aura des menuisiers, des charpentiers, des métalliers qui vont nous permettre effectivement de faire vivre ces écosystèmes sur lesquels les territoires sont très attentifs. Les élus ont envie de faire vivre leur territoire. Et c'est aussi une façon pour les élus d'appréhender le hors-site avec moins peut-être de prévention qu'ils pourraient en avoir. C'est-à-dire que effectivement le hors-site, ça rappelle l'industrie du bâtiment qu'on a connue après-guerre. C'est des images qui peuvent faire peur. Et nous, Pourquoi ça peut faire peur? Ça peut faire peur parce que la massification qu'on a de la reconstruction de logements dans les années 60-70 a constitué effectivement sur le plan architectural des œuvres urbaines qui peuvent être discutables aujourd'hui et qu'on porte, nous, quand même, bailleurs sociaux, un peu comme une croix, toujours. Et donc, il est important de... On avait fait une exposition à la Maison de l'Architecture là-dessus, de construire hors site, certes, mais pas hors sol, hein, pour s'inscrire, effectivement, dans les territoires, avec les qualités des territoires, en étant très attentif, et également à la qualité architecturale, bien entendu. Et donc, l'architecte doit être, effectivement, au cœur du dispositif de la construction hors site, mais tout en travaillant très en amont, à la fois avec l'industriel et le constructeur. Et ça, les architectes, alors est-ce qu'ils se mettent de plus en plus hors site? Alors oui, j'ai le sentiment qu'ils adhèrent de plus en plus hors site. Il y a encore tout un travail à faire, je dirais, de conviction, de formation auprès des architectes, et également auprès des bureaux d'études, des ingénieurs, sur ces nouveaux modes de faire. Je pense qu'il est important d'aller voir aussi sur place, on en parlait tout à l'heure avant cette émission, d'aller voir des usines, qu'il y ait des rencontres entre effectivement les écoles d'architecture, les écoles d'ingénieurs, pour aller voir comment peut se fabriquer, gérer le bâtiment autrement aujourd'hui, avec des systèmes où on fait de l'assemblage de différents types de matériaux pour arriver à une meilleure qualité de production de nos bâtiments, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une non-qualité, on a des prix qui augmentent très fortement, et donc il faut arriver à optimiser sans pour autant appauvrir l'architecture. Donc c'est pour ça qu'on souhaite que l'architecte soit au cœur du dispositif, qu'on a organisé un travail au sein, par exemple, de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France sur leur site. Donc les architectes ont pu s'emparer de ce sujet, on a organisé des tables rondes avec eux, puis avec des professionnels, qui soient constructeurs ou qui soient bureaux d'études. Et on a également organisé une exposition, hors site mais pas hors sol, qui a permis aussi de montrer que le hors site, c'est pas une histoire si nouvelle que ça. C'est-à-dire que le hors site, finalement... Pascal pourrait très bien en parler, mais leur site, on l'a connu avec le système Balloon Frame oui, c'est ce que vous disiez, hein. il y a un siècle. Donc, on est dans la continuité de choses qui ont déjà existé, dont les architectes se sont déjà emparés. Il faut qu'ils poursuivent cette démarche. En fait, c'est une démocratisation de choses qui ont été faites, peut-être une redéfinition. C'est une redéfinition, ouais. C'est effectivement, et je crois que Pascal a été effectivement un pionnier en la matière, parce qu'il a géré, avec même l'appellation hors site, montré qu'on sortait de cette peur de l'industrie dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que l'industrie, c'est vertueux, on a besoin de réindustrialiser, effectivement, et les ministres l'ont dit très récemment. Pour autant, il ne faut pas réindustrialiser, on ne construit pas des voitures, hein, on construit des logements, et on vient s'inscrire dans les villes, donc avec à chaque fois des contraintes particulières propres à chacun des territoires. Alors, on parle des coûts du hors-site. Hein. Le hors-site coûte moins cher que la construction traditionnelle. Alors, selon GA Smart Building, c'est 10 à 15% en moins. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Ça dépend. Alors là, le sujet du coût est toujours un sujet un petit peu difficile. Alors, je parle de retour sur investissement aussi, hein, sur le long terme. En fait, c'est à prendre en compte. En fait, produire dans un atelier ou dans une usine, ça peut être extrêmement efficace. Et on a des exemples dans d'autres pays. Je peux prendre l'exemple de la Suède, qui était finalement là où nous en sommes aujourd'hui il y a 15 ans. Avec, après la crise de 2008, en fait, les logements étaient devenus bien trop chers. Ils n'arrivaient plus à les vendre. Les locataires n'arrivaient plus à les louer. Et donc, il y a eu vraiment des réflexions. Comment est-ce qu'on peut vraiment améliorer le coût de la construction? Et l'État s'est engagé vers la construction hors site. Il y a eu de très, très belles réussites. On a des exemples de prix qui ont baissé de 20, voire de 25%. De prix des biens, des logements. Le prix des logements, prix absolument, final, hein. Absolument. Il y a des usines qui se sont créées, il y a tout un écosystème qui s'est créé. Et quand on discute avec eux, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous disent on a réussi à atteindre ces niveaux de prix, pas juste parce qu'on a créé les usines, mais parce que tout l'écosystème amont a pris conscience qu'on pouvait y arriver comme ça et qu'on n'y arrivait plus sur le chantier. Et donc, ils ont amené visiter, on en parlait tout à l'heure, Pierre, les politiques, les maires, les architectes. Tout le monde est allé visiter les usines, se rendre compte de ce qu'on pouvait faire avec, et donc ils ont réussi. Donc il y a eu de la pédagogie, énormément de pédagogie qui a été faite. Et l'environnement, si vous voulez, a changé, a pris conscience qu'on pouvait être très efficace dans une usine à condition qu'on change un peu ses habitudes. Après, les pays nordiques sont connus pour leur agilité aussi. Alors ça, c'est vrai. On a beaucoup à apprendre de ce point de vue-là. J'aimerais qu'on soit capable d'aller aussi vite parce qu'eux, ils ont quand même réussi à passer de 0 à 20% de part de marché en construction bois, notamment sur le logement collectif, et donc avec des gains significatifs. Donc là, on a un petit peu, effectivement, de grains à prendre. Par contre, ce qui arrive assez régulièrement, c'est qu'on entend dire « Ah bah oui, mais on a... » En fait, le hors-site, ça peut même être plus cher que de la construction classique et traditionnelle. Et alors pourquoi ? Et alors pourquoi ? C'est qu'en général, on ne change pas ses habitudes. On conçoit le projet, j'allais dire, comme on a l'habitude de le faire en construction traditionnelle, et puis une fois qu'il est conçu, on va chercher l'industriel. Et là, on n'exploite pas le savoir-faire de l'industriel. S'il a une machine qui est capable de faire des murs jusqu'à 3,20 mètres, il ne faut pas que je les dessine à 3,25 mètres. Ils ne vont pas passer dans la machine. Donc, c'est souvent ces projets-là où, finalement, on a envie d'aller vers le hors-site, mais on ne change pas nos habitudes. D'accord. Et dans ce cas-là, bien souvent, on est à l'échec au niveau du prix. Voilà. Donc, si on veut atteindre le prix, il faut créer un nouveau dialogue, tu le disais, Pierre, tout à l'heure, un nouveau dialogue avec les industriels, comprendre comment ils peuvent fabriquer efficacement, tenir compte de leurs habitudes, de leurs outils, etc. Mais c'est ce qu'on fait quand on construit en béton. On construit en béton, on ne construit pas n'importe comment. Il y a des standards dans le béton. L'épaisseur d'une dalle, on la connaît parfaitement. L'épaisseur d'un voile béton, on connaît parfaitement. Ces standards, ils n'existent pas encore aujourd'hui dans la construction hors site. C'est ça qu'il va falloir créer. Alors, David, vous voulez réagir ? Effectivement, la construction hors site, aujourd'hui, de manière générale, on est, nous, chez GA, à peu près à iso-coût par rapport au traditionnel. Mais il faut voir l'opération dans son ensemble. Effectivement, quand aujourd'hui on livre rien, je pense en logement en dessous de 28-30 mois, aujourd'hui GA, qui développe une gamme en logement qui s'appelle Rouge, peut livrer en 2 fois moins de temps. Donc on s'engage sur 15 mois. Ça veut dire que vous remboursez plus vite en termes de prêts bancaires, en termes d'assurance, et vous gagnez, enfin nous on estime entre 10 et 12% sur l'opération globale, le gain pour l'achat d'un appartement. Mais c'est la même chose aussi en immobilier entreprise. Moi je suis plus spécialisé en immobilier entreprise. On a des entreprises qui ont besoin de rentrer dans leur mur par rapport à leur plan de développement, avec une rapidité d'exécution sans sacrifier la qualité. Donc c'est un ensemble à prendre en compte. Et je voudrais juste rebondir, on a évoqué le hors-site qui fait peur. Le hors-site qui fait peur peut-être à cause de effectivement ce qui s'est passé après la guerre, de beaucoup de répétitions, beaucoup d'aspects tramés. Aujourd'hui, le hors-site, il faut vraiment le voir comme une boîte à outils dans laquelle l'architecte vient piocher ça permet aussi de respecter complètement sa signature architecturale. Un poteau, ça reste un poteau, une poutre, ça reste une poutre. En fait, tous les éléments non visibles, on se l'évoquait juste avant l'émission, tous les éléments non visibles sont industrialisés, ça pose aucun problème. Et par contre, en façade, aujourd'hui, enfin nous, chez GA, il n'y a pas un bâtiment qui ressemble à un autre aujourd'hui. Et on travaille avec tout type d'architectes qui s'emparent de nos outils. Et on arrive avec une qualité de fabrication et une qualité d'exécution et une rapidité de livraison qui permet de rendre beaucoup plus vertueux aujourd'hui la construction immobilière. Est-ce que tout type de bâtiment est faisable en hors-site ? Oui, là, complètement. Moi, je vois pas de... Donc, le tertiaire, là, vous évoquez le tertiaire. Tertiaire, nous, on a fait beaucoup de... Alors, dans les années 70, pas mal de logistique. Ouais. La logistique s'y prête, hein. On a fait un entrepôt, un méga entrepôt pour Amazon, hein, pour pas le citer. C'était 150 000 m² de SDP construit en 13 mois parce que cet entrepôt, c'est 450 poteaux de 32 tonnes chacun. Et donc, nos trois usines ont été mises en pleine cadence pour livrer en temps et en heure. On est aussi sur des objets qui ont c'est rentrée scolaire par rapport à la résidence étudiante, ou alors début de saison hivernale pour des hôtels. Ossabois, notamment, travaillé à la montagne récemment avec des blocs modulaires, avec une qualité de fabrication. Quand vous rentrez dans l'hôtel, quand vous rentrez dans votre chambre, vous ne vous rendez absolument pas compte que ça a été construit en hors-site. Une salle de bain construite hors-site, pluguée directement, avec tous l'intérêt que ça a en termes de qualité de finition et les réserves de chantier que Pierre évoquait. Une fois que vous êtes dedans, vous vous en rendez pas compte. Mmh. Donc tout ça, et il y a beaucoup de pédagogie effectivement à faire pour montrer que le hors-site aujourd'hui a fait beaucoup de progrès. Nous, on consacre 1% de notre chiffre d'affaires tous les ans sur l'innovation, sur des dalles, hein. Par exemple, on a lancé une dalle qui s'appelle une dalle Atomood. C'est en fait une dalle de 8 cm, une dalle béton, 8 cm de béton hermé avec un soubassement en bois qu'on a aussi fait financer par l'ADEME. Donc on arrive à avoir moins de matière, effectivement mettre le bon matériau au bon endroit. C'est vraiment notre stratégie également, et je pense que à travers le hors-site, c'est faire comprendre qu'on change vraiment de braquet, on change d'époque. On se l'évoquait aussi juste avant, on a toujours coulé du béton sur place avec un voile de béton tous les 5 mètres en logement, parce que 5 mètres c'est 2 places de stationnement et après vous montez en infrastructure, en superstructure, pardon. Donc c'est vraiment mettre le matériau qui est utile au bon endroit pour décarboner. Alors on a des bétons bas carbone, vous avez du bois, vous avez le béton de chanvre, béton de bois, enfin il y a pléthore de produits aujourd'hui qui nous permettent d'atteindre des seuils de décarbonation, et nous on arrive au seuil 2031 pour certains produits, ouais, de la RE 2020. Et évidemment, on s'inscrit. C'est quoi, c'est du bois essentiellement pour le... C'est du bois, il y a du béton de chanvre, il y a de la paille, voilà, ouais. Le mix fait que... et aussi avec l'aspect hors site, l'acheminement, enfin encore une fois, il faut prendre le chantier dans, dans son ensemble. Hein, ouais. Exactement. J'aimerais revenir sur les délais justement pour les bailleurs sociaux. On parle des délais de chantier, hein, qui sont parfois énormes, qui sont retardés. Et justement, vous en parliez au début, ça c'était un des sujets aussi importants pour un bailleur social tel que 3F. Oui, absolument. Vous l'abordiez juste avant moi, mais effectivement, c'est un tout. Il y a la construction en amont, il y a la réalisation, la qualité de la réalisation à l'achèvement de l'immeuble, et puis ensuite une exploitation qui suit derrière pour nous, bailleurs sociaux. Et effectivement, les délais sont hyper importants. Ça fait partie de vos marges aussi. En fait, le délai nous permet de mettre en habitation beaucoup plus tôt, et par conséquent, d'avoir des loyers qui rentrent beaucoup plus tôt. Donc, mais je dirais que pour les gens qui font l'accession, on en fait aussi également un peu, c'est un argument important. Ouais. Donc le délai, il faut effectivement le rentrer dans le coût global de l'opération, qui va bien au-delà d'ailleurs du moment de la livraison. C'est-à-dire que c'est déjà une réflexion qui est assez intégrée chez les bailleurs, l'idée de coût global, parce qu'on gère nos bâtiments dans un très long terme, on les finance sur des temps très longs également, et donc en fait on intègre les coûts d'exploitation aussi derrière. Donc le hors-site doit aussi permettre l'évolution, on n'en a pas parlé, mais l'évolution du bâtiment. Un bâtiment en béton avec des voiles de béton porteur partout, il est difficilement transformable. Un bâtiment en poteau-poutre, que ce soit en bois ou en béton bas carbone, on peut le transformer, les usages peuvent se transformer dans le temps. Donc ça peut devenir des bureaux. Ça peut devenir des bureaux, ou comme on le fait aujourd'hui beaucoup, on transforme beaucoup aussi de bureaux en logements. Et donc il faut aussi intégrer dans ce mode constructif, l'évolution dans le temps d'un bâtiment, parce que finalement, au bout de 25 ans, 30 ans, un bâtiment de bureau, il peut devenir obsolète. Alors les bâtiments de logement, ça dure beaucoup plus longtemps, notamment chez bailleurs sociaux, mais il nous arrive quand même de réhabiliter des bâtiments assez lourdement qu'on a pu construire dans les années 50, 60, 70. Donc ça arrive souvent, ça, que vous fassiez ça? Ça arrivait dans les opérations de renouvellement urbain, où on a eu des grosses opérations de restructuration d'immeubles. C'est plus cher, en revanche, quand on réhabilite. Alors, quand on a un bâtiment qui s'y prête parce qu'il est en système constructif poteau-poutre, c'est beaucoup plus facile. Quand il est en système constructif très traditionnel, avec des voiles de béton, c'est beaucoup plus compliqué et plus cher. D'ailleurs, là-dessus, j'attire l'attention, on parle beaucoup de construction neuve dans nos échanges-là, mais il y a aussi la réhabilitation, et la réhabilitation thermique notamment, qui est très importante aujourd'hui dans les objectifs qu'on porte tous, bailleurs sociaux, peut permettre aussi au hors-site, et notamment au hors-site en construction 2D, de venir rapporter des éléments de façade dans un temps beaucoup plus court, avec une qualité d'exécution meilleure. Et c'est ce qu'on fait actuellement sur un chantier là, qui est en cours de réalisation, qu'on devrait livrer donc en mai prochain à Thiers, où on a tous les éléments qui sont apportés par camion et qui sont construits à une vitesse qu'on n'aurait pas, en dérangeant beaucoup moins aussi les locataires, parce qu'on n'intervient que par l'extérieur, sans, je dirais, empiéter sur l'usage du bâtiment. Il y a d'ailleurs des lycéens qui ont été réhabilités avec des élèves qui continuaient à aller en cours grâce au hors-site. On venait mettre des pans entiers. J'ai une petite remarque peut-être sur les nuisances. Alors, donc, vous parliez, c'est vrai que le hors-site réduit les nuisances. Il y a moins de camions, il y a moins de bruit, d'assemblage, etc., qu'un chantier traditionnel. Est-ce que ça, c'est bénéfique pour les bailleurs sociaux? Parce que absolument, absolument. Non, mais c'est vrai que c'est bénéfique. Je dis souvent qu'un chantier en construction sèche, en filière sèche, quel que soit le matériau, est toujours assez agréable à regarder, déjà esthétiquement. C'est-à-dire qu'on voit des éléments s'assembler avec des grues qui viennent amener des choses de façon très précise, dans un temps aussi assez rapide, qui fait aussi que pour les riverains, c'est déjà même esthétiquement plus agréable à regarder. Évidemment, sur les autres nuisances que vous évoquiez, un camion toupie qui amène du béton, qui en laisse un peu traîner sur la voirie, etc. Les camions qui ressortent avec des roues pas toujours très propres, etc. C'est vrai que dans les chantiers en filière sèche, donc en filière hors-site, les chantiers sont beaucoup plus propres, il n'y a pas de consommation d'eau, ou en tout cas beaucoup moins de consommation d'eau. Il faut aussi avoir en tête que l'eau va devenir un sujet très important, parce qu'on a parlé du carbone, mais l'eau est un sujet très important. C'est déjà le cas, économie d'eau dit aussi économie en termes de propreté, en termes de qualité d'exécution des chantiers. Alors, on parlait des élus tout à l'heure, on va peut-être écouter une vidéo d'un élu. Alors, il devait être avec nous ce matin. Il s'agit de Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est maire de Mennecy. Bon, il n'est pas que maire de Mennecy, il a plein de casquettes. Il est vice-président de la région Île-de-France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas pu être là ce matin. Il devait accompagner la présidente Valérie Pécresse sur un événement de dernière minute. Et il est également président de Paris Aménagement. Alors, on lui a posé la question de ce qu'il pensait du hors-site en tant qu'élu et en tant que président de Paris Aménagement. On va écouter tout de suite sa vidéo et messieurs, vous réagirez juste après. La construction hors-site est une des techniques d'avenir qui va être amenée à se développer extrêmement fortement dans les années qui viennent. D'ailleurs, avec Grand Paris Aménagement, nous avons créé une association regroupant les acteurs du secteur pour la promotion du hors-site. Le hors-site, c'est permettre d'une part de construire plus vite, c'est permettre d'avoir des chantiers beaucoup plus propres, beaucoup moins gênants pour les riverains, d'avoir moins de déchets, moins de nuisances sur ces chantiers. C'est aussi permettre de tenir des meilleurs bilans carbone. Les réglementations énergétiques à venir imposent, et c'est une très bonne chose, une décarbonation de la construction, et le hors-site est un des moyens d'y répondre. C'est donc un sujet d'avenir. Et puis le hors-site, c'est également permettre de faire travailler, de créer toute une filière autour du bois, autour du chanvre, autour de la paille, autour des matériaux biosourcés, et là encore, c'est toute une filière d'économie qui va pouvoir être développée. Bon bah le positionnement de Jean-Philippe Dugoin-Clément sur le hors-site est clair. Une petite réaction, Pascal? Non, je trouve très bien d'avoir un élu qui prend position comme ça, et c'est, je crois, absolument nécessaire que les élus se rendent compte de tous les bienfaits de la construction hors-site. Ils sont extrêmement nombreux, ils viennent d'être cités, sur effectivement, on l'a dit, les nuisances de chantier, sur l'utilisation des matériaux biosourcés, etc. C'est aussi créer des emplois industrielle. On parlait d'emploi tout à l'heure. Aujourd'hui, la construction, on dit souvent ça ne se délocalise pas, la construction. C'est souvent le mot qu'on entend. Bah, à vrai dire, ça se délocalise pas mal, puisqu'on fait appel à énormément d'ouvriers venant de l'étranger. Bah, finalement, si on crée des petites unités locales, elles vont employer les gens qui habitent autour de l'usine. Et donc, du coup, finalement, on va employer plus d'ouvriers français que si on faisait des très gros chantiers. Voilà, donc, un élément aussi que je voudrais peut-être rajouter, le hors-site fait quelquefois... poser un peu question, et souvent on entend « Ah oui, mais si on fait en usine, qu'est-ce qu'on va devenir nous ? Maçons, plombiers, électriciens et donc je voudrais simplement dire ici que le hors-site, c'est jamais... Un bâtiment, c'est jamais 100% fait dans une usine. Oui. On va fabriquer certains éléments dans une usine. Le pourcentage d'éléments qu'on va fabriquer peut être assez faible. On peut commencer à 10-20% d'éléments, puis on peut peut-être monter jusqu'à 50% d'éléments. Mais en tout cas, il reste beaucoup de choses à faire sur le chantier. Et moi, je voudrais justement apporter peut-être une vision un petit peu différente, qui est de dire, en fait, comme aujourd'hui, on a un mal de chien à recruter sur le chantier, qu'on n'a pas assez d'ouvriers. Eh bien, fabriquer des choses dans une usine, ça peut au contraire apporter un bol d'oxygène formidable aux équipes de chantier. Quelque part, si on fabrique ne serait-ce que 20% du chantier en usine, cette partie-là, c'est l'industriel qui s'en occupe, j'ai plus à m'en occuper, et moi je vais être focus sur les 80% qui restent. Et ça, c'est un bol d'oxygène formidable, qui vont faire que finalement les équipes de chantier, que ce soit d'ailleurs l'architecte, que ce soit le maître d'ouvrage, ou que ce soit les conducteurs de travaux, ou même les ouvriers, finalement ils vont être focus sur une partie plus faible du bâtiment, et donc ils vont pouvoir faire mieux leur travail. Bah oui. Donc on aura le bénéfice... Ils seront moins stressés. Moins stressés, c'est ça. Donc on va avoir le bénéfice de ce qui est fabriqué en usine, qui va arriver avec une qualité industrielle, et le bénéfice de la réorganisation finalement du chantier qui se fait parce que j'ai un peu moins de travail à faire sur le chantier, et je suis le rythme de l'usine. Parce qu'une usine, elle a une capacité à avoir une organisation. Si chez GA, ils annoncent qu'ils vont livrer, tu parlais des poteaux de chez Amazon, 50 poteaux par jour, tous les jours, il y a 50 poteaux qui vont arriver. Donc, il faut que le chantier s'organise autour de ça, et ça donne un métronome. Ouais. Et c'est pour ça qu'on voit des chantiers qui sont infiniment plus rapides et en même temps de meilleure qualité. Mmh. David, peut-être une petite réaction justement sur la vidéo de Jean-Philippe Dugoin-Clément et puis sur ce que tu disais. Bien sûr, moi je ne peux que, moi et GA, le groupe GA, on ne peut que partager les propos de Jean-Philippe Dugoin-Clément. C'est vrai qu'on est très heureux de voir que le sujet commence à prendre de l'ampleur et beaucoup s'en emparent à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment très bien. On parlait des architectes. Gabriel Attal en a parlé dans sa... Gabriel Attal en a parlé récemment. On est très heureux d'avoir vu que dans les 19 mesures du Conseil National de la Refondation l'été dernier, il y avait une mesure sur 700. 700 étudiants, il y en avait 19, il y en avait une sur le hors-site, et pousser une filière d'excellence du hors-site. La maîtrise d'ouvrage, les aménageurs. Aujourd'hui, moi, je vois apparaître sur des consultations des aspects sur un examen attentif, sur le mode constructif adopté pour la réponse à la consultation. Donc, sans parler de hors-site, mais en tout cas, on se dirige vers une amélioration, un côté plus vertueux de la façon de construire. Donc pour nous, ça c'est une très bonne chose, que tout le monde s'en empare, y compris je pense les utilisateurs, que ce soit les bailleurs, que ce soit les entreprises. Le hors-site va permettre d'être plus rapidement dans ses murs, et puis répond, et je rebondis un petit peu sur ce que disait aussi Pierre, il y a la construction, il y a la rénovation, puis il y a aussi la surélévation, sur laquelle on peut intervenir aussi grâce au modulaire et au hors-site. Oui. Aujourd'hui, on est dans une crise du foncier, hein, Jean-Philippe Dugoin-Clément, en tant qu'aussi président de l'EPIF, connaît forcément, partage le constat. On a la loi ZAN qui arrive, avec évidemment la crise environnementale qui nous pousse à aller vers le ZAN et la zéro artificialisation nette. Donc il faut penser plus de verticalité, plus de mixité d'usage aussi. On est dans cette logique de ville du quart d'heure, et verticalité veut dire aussi surélévation, pour peu que les infrastructures puissent s'y prêter. On parlait de transformation de bureaux en logement. Bon, tous les bureaux ne peuvent pas va être transformé en logement. Mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir... je pense que cette crise nous pousse aussi à aller plus vers plus d'innovation et pousser un peu le curseur de la construction hors site, dès lors qu'on passe du prisme simplement bâtiment construction traditionnelle à un prisme industriel, innovation, technologie, où là le champ des possibles est pas infini, mais en tout cas beaucoup plus vaste. Se réinventer, c'est vrai ce que vous disiez sur la surélévation, ça fait partie aussi des objectifs du gouvernement. Gabriel Attal, je le rappelle, a demandé à toutes les communes d'identifier les... Je vous donne un exemple, un cas d'école. On est sur un sujet à Toulouse, sur une poste, comme il en existe des milliers en France, une poste en R0. Donc, on vient faire une surélévation de 4 niveaux en logement sur cette poste. Donc, on ne vient pas consommer de foncier et on vient densifier la ville avec une qualité d'usage, avec une hauteur tout à fait raisonnable. Donc, voilà ce que le hors-site aussi permet de réinventer la ville sur la ville. Pierre, alors une réaction voilà, à la vidéo de Jean-Philippe Dugoin-Clément? Bien, effectivement, il a bien résumé effectivement le propos du hors-site, et on est toujours très satisfait quand un élu s'approprie aussi bien que ça, effectivement, cet engagement sur le hors-site. Alors, il n'est pas néophyte, il est aussi donc il est président effectivement de Grand Paris Aménagement, qui fait partie des membres fondateurs avec la Société des Grands Projets et 3F de l'association donc filière hors-site France, qui a été créée en fin d'année dernière, qui a permis en début d'année, donc en mars, lors de son premier essai élargi à l'ensemble des membres, donc il y avait on a près de 70 membres aujourd'hui, on va frôler la centaine dans très peu de temps, donc il y a une vraie adhésion au sein de cette association, qui va pouvoir porter effectivement tous ces sujets que sont... le déblocage d'un certain nombre de freins, parce qu'il y a quand même des freins réglementaires, des freins... techniques, sur les certifications, sur les labellisations. Donc il y a un certain nombre de sujets qu'il va falloir lever, il va falloir former, il va falloir informer, il va falloir sensibiliser effectivement tous les acteurs. C'est aussi des changements de process. On va pas travailler de la même façon. C'est des modes beaucoup plus, je dirais, plus inclusifs, plus concourants. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble, très en amont, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise, l'industriel. Donc c'est aussi, ça change les modes de faire. On l'a évoqué sur les plans techniques, mais également beaucoup sur les plans humains, sur les relations dans lesquelles on s'inscrit tous pour faire avancer ces modèles. Donc, à travers cette association, on veut porter ce message sur leur site. On veut également que dans un temps assez court, donc on s'est fixé des objectifs de production hors site, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2031, on a pris le dernier seuil de la RE 2020, qui est 50% de notre production. C'est ce qu'on a mis dans la charte qu'on a signée avec, pour l'instant, uniquement les acteurs du Grand Paris, mais qu'on veut élargir à beaucoup plus de bailleurs sociaux et d'aménageurs en France. Donc de produire 50% de nos constructions avec des composants hors site. Et Grand Paris Aménagement a des ambitions extrêmement fortes aussi. Ils les ont annoncé aux 6000 dernièrement. Eux, c'est 80% de leurs chantiers qui vont être en mode constructif hors site pour 2031. Donc c'est vraiment demain. Ouais. Absolument. Eh bien, merci infiniment, messieurs. Ce grand débat touche à sa fin. Merci d'avoir répondu présent. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau rendez-vous du Mondial du Bâtiment. À très vite. Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Sur Batiradio.